La touche, putain de merde. Ça touche, putain de merde, ça touche. J'ai levé la spirale vers le haut, quoi. Les spirales vers le haut. Moi, je l'ai fait avec des pinces. Hein. Parce que les doigts, c'est pas. Hein. On va voir ce que ça donne. En plus, il y a un sens où ça passe mieux parce que j'ai un creux. En dessous par là. Et ça se passe mieux, je crois, dans ce sens ou dans l'autre. J'ai un peu resserré l'accroche de la spirale de ce côté-là aussi, vers le haut là. Ah bah là on voit bien le jour qu'il y a entre le début de la quatrième spire et l'écrou à gauche et après voilà tac. Bon, on va tester comme ça, on va voir. Donc on voit que c'est carré. Et carré aussi ça. On remballe. Enfin, on remballe, on remonte. Bon, ça a l'air d'aller. Si j'actionne vite fait ça, est-ce que j'ai... Non, parce qu'il n'y a pas les fusibles. Je vais remettre les fusibles. Alors... Ouais. Alors... On a les 20 ampères. Donc là, j'arrête dans le doute. Mais il fait froid, j'arrive pas à savoir si c'est chaud. Je vais me jouer autrement. Oh, j'ai mis le multimètre. Le com en voltmètre. Oui, voltmètre. Le com sur la masse. Et voilà. Et le rouge avant les bougies de préchauffage pour savoir combien est la résistance met maintenant. Ça.
23,5 volts. Et les batteries. Elles sont à 24,8. Ok, donc à gauche on a le multimètre qui est branché on a le voltmètre qui est sur des bougies de préchauffage, après la résistance, et à droite on a la tension de la batterie. Et je vais vous dire quand je préchauffe. Bon, ça filme là? Ouais, ça filme. Ok, je préchauffe maintenant. 23,9 et 24,4, donc il y a une résistance. Ok, j'arrête. Ok. Bon alors les voltmètres, la masse, elle est prise à 13 de masse ici en bas. Ouais. On va inverser. On va faire la tension de la batterie avec le bleu. Parce que c'est un peu plus safe. Un peu plus safe vu que c'est plus court comme ça. Alors, tension de la batterie avec le bleu. Voilà. Mais ça, faudrait pas trop que ça pendouille. Voilà ça. Alors, attends. L'ampèremètre, il arrive là. Et après, c'est bougie de préchauffage. Donc, avant, électriquement avant, c'est à droite. Donc, je vais me remettre là pour confirmer ce qu'on avait vu avant. Ah ouais, d'accord. Pas grand-chose en différence. Là, j'ai fait après, maintenant je fais avant. Ouais. Sur la vis, je touche la première spire. 23,7. Touche la deuxième. Je touche la troisième, je touche la quatrième, je touche la vis. Ok, c'est pas ouf. Il faudrait que j'ai 22,5. J'ai 22,5 parce que 22,5 volts, 22 volts et demi, c'est la tension de service des bougies de préchauffage. Bref. Bon, au moins. J'enlève tout ça. On a gagné un truc un peu stylé. Pas fait ça pour rien. Le jour où j'aurai le bon filament, ça sera protégé. Et également, il y a une nouvelle verrine. Merci Ludo. Bon, je ferai ça plus tard. On est toutes.